Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Liberated Enhanced Edition live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ah oui, qu'est-ce que t'as acheté? C'est un nouveau jeu, il sort sur Xbox le 19 avril. Ça s'appelle Liberated. J'ai joué une heure hier. Fallait appuyer. Ah, oh, zut. Effectivement, c'est vrai. J'avais oublié. Et là, Alice, il reste une dernière heure de jeu. Si tout va bien, si je joue ce soir ou demain, ça va être la dernière fois. Vite par ici. This is it. On y est. Le ministre de la Sécurité nationale a appelé au calme et a promis une réaction rapide et décisive de la part du gouvernement envers cette menace terroriste. Toutes les données personnelles récupérées d'ici quelques jours. Notre pays est attaqué. Les terroristes ont perturbé le système vitaux, notamment les dossiers médicaux d'enfants graves malades. Ces monstres n'ont clairement aucun égard pour la vie humaine. Bonsoir. Vous n'avez pas entendu, il y a un couvre-feu. Nous sommes fermés. Nous sommes ici à cause d'un ami commun. Vous êtes sourd ou quoi? Partez maintenant. Nous devons parler, Brandon Chan. Ok, j'appelle les flics. Nous devons parler de Saint-Martha. La famille mérite la vérité. Oh.
Cassez-vous. Vous voulez mourir aussi, c'est ça? Calme-toi, le vieux, on s'en va, ok? Zut! Ok, ça finit de même ou quoi? Je suis prêt à tout recommencer. Je suis prêt à recommencer tout du début. C'est même pas la même histoire. Tiens, qui est mort à la fin de l'histoire, bah c'est une nouvelle histoire, c'est bizarre. Les forces de l'ordre ont annoncé de nouvelles mesures de sécurité suite à l'attaque terroriste de la nuit dernière à Chinatown. Aboutissant à la mort du fils du ministre de la Sécurité nationale, Duke Stroud. La police enquête sur cet incident et ils pensent qu'il est d'origine politique. Ce ministre a reçu des pensées et prières du monde entier. Ok, j'arrive. Attention, vous entrez dans une zone réglementée. Nos capteurs détectent un taux élevé de radiation. Bonjour, capitaine. Comment avons-nous trouvé cet endroit? Les drones ont été abattus pas loin en étant tombés sur cet endroit. On venait de les récupérer. On ne connaît rien du site, mais on a vu un véhicule ici la nuit dernière. Et pour les radiations? Les niveaux indiqués sur la carte sont énormes, mais étrangement, les compteurs ne détectent rien. Il y a quelque chose d'étrange ici, capitaine. Personne n'arrive à remettre la main sur les plans du site. C'est comme s'il n'existait pas. Nous savons seulement qu'elle a été utilisée pour le projet Manhattan. Le reste est top secret. C'était peut-être un silo à missile ou un bunker. C'est difficile à dire d'ici. Nous avons exploré la zone et avons découvert ces hangars. Nous avons aussi trouvé des traces d'un important réseau de tunnels. Avec des entrées ici, 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 dont donner l'ordre, nous reprendrons le site d'assaut. Il n'y aurait pas le temps de réagir. In position. En position. Gardez un œil sur vos compteurs. Retirez-vous au premier signe de radiation. Alpha Team, on me. Groupe Alpha, avec moi. I suggest you take cover until Monsieur, il serait préférable que vous restiez à couvert jusqu'à ce que nous soyons sécurisés la zone.
10 jours trouvés. Et 5 jours. Et 5 jours de deuil national annoncés par le gouvernement suite à l'attaque de Saint-Martin prendra fin demain. Bien que beaucoup de choses ont été dites sur l'incident, aucun mot ne peut être exprimé. L'étendue de cette tragédie. Toutefois, nous souhaitons vous parler des héros de cette journée funeste. Le lieutenant Brandon Chang, le capitaine Frank Robbins et le lieutenant Harry Davis étaient les premiers présents à Saint-Martin. Sans leur bravoure, le nombre de victimes aurait certainement été bien plus important. Ils ont risqué leur vie en sortant des enfants blessés des flammes, alors même que le bâtiment s'effondrait autour d'eux. Ces trois hommes recevront la plus haute décoration nationale des mains du président la semaine prochaine. Ajoutez plus de 2 ans. Source. Le lieutenant Brandon Chang, l'ange de Saint-Martin, vient d'annoncer sa retraite des forces de l'ordre durant les 2 dernières années. Le lieutenant Chang a fait partie d'une unité spéciale antiterroriste afin d'empêcher une tragédie similaire à Saint-Martin ne voit le jour. Nous remercions le lieutenant Chang pour son service exemplaire et son dévouement. Brandon Chang a décidé de passer les prochaines années à aider son fils dans le magasin familial. Nous encourageons tous nos lecteurs à monter leur reconnaissance en allant faire quelques achats dans le magasin de la famille Chang. Ce n'est pas tout. Les jours qu'on a la chance de rencontrer un ange. La police vient de lancer un mandat d'arrêt. L'encontre de l'officier Harris Davis, citoyen, soyez vigilant. Harris Davis souffre d'une dépression nerveuse grave et armée et dangereuse. Les forces de l'ordre n'ont pas souhaité commenter ou répondre à nos questions pour le moment. Il est toutefois accepté que l'effondrement de Davis est lié à l'attaque d'hier visant le commissariat central. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Les premiers contacts de Harry sont prometteurs. Il y a des remords et un désir de vengeance, observe-le et aide-le à se cacher. L'affaire a été confiée à notre équipe du Nord. Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui, Mr. Flight? Des heures de plaisir. Le 1er janvier marquera la fin de l'argent liquide. Pendant les 4 prochaines années, chaque citoyen aura le droit de garder 200$ en espèces, tandis que la nation procédera à une transition vers tout le numérique. Les banques devront proposer des services sur mesure à leurs clients pour répondre à leurs différents besoins et ainsi assurer une transition efficace.
le gouvernement a tenu une conférence de presse hier pour clarifier que les raisons de cette réforme, selon l'un des représentants, la transition vers un système de surveillance, la raison de surveillance des achats permettrait de réduire nos besoins en ressources naturelles, d'augmenter les croissances économiques, mais surtout de combattre plus efficacement le terrorisme, le blanchiment d'argent et le fraude fiscale. Dans notre monde actuel, l'argent liquide n'est plus qu'une relique du temps jadis, a commenté un représentant du ministère. Les citoyens honnêtes n'ont absolument rien à craindre. L'accès complet à leur historique d'achat permettra de les protéger des fraudeurs et autres criminels qui ont vu le jour à cause des limites de nos systèmes financiers actuels. C'est un grand jour pour notre économie, pour nos entreprises et pour les consommateurs. Ceux qui menacent notre liberté n'auront qu'à bien se tenir. Plusieurs sources à l'intérieur du ministère de la Finance ont confirmé que les plans visant à supprimer les limites des espèces restent en vigueur. Des membres importants du Parlement ont indiqué qu'ils pouvaient présenter une motion afin d'étendre la période de transition. Les montants demandés par les membres du Parlement sont très hauts. Une réunion d'urgence pour discuter de ce problème est vivement conseillée. J'ai gamé. On avait un souper, mais là, la conjointe à mon père a pogné la COVID, fait tout a été annulé. Qu'il y a un bouton là. Comment tu le trouves ce jeu? Pareil, ça, que aligner les hexagones afin que les trois types de lignes forment des circuits. Toute son équipe s'est fait tuer. Disque dur. Les sources au sein de la Cour suprême rapportent que la suppression de l'Association des parents de Saint-Martha pourrait être votée la semaine prochaine. La réputation de l'association a été éternie. L'année dernière, suite à
aux révélations sur le passé tumultueux de son président et des mauvaises utilisations des fonds. L'IRS avait découvert des exactions après la saisie des utilisations des fonds. La mauvaise utilisation des camps de l'association des réponses aux rumeurs d'une gestion douteuse, d'une collecte de fonds. D'autres accusations ont vu le jour en ligne contre plusieurs membres du conseil, toutes nécessitant des enquêtes officielles. L'association avait été fondée suite à l'attaque terroriste de Saint-Martin, dont le but d'aider et de soutenir les parents des victimes. Malheureusement, il semblerait que cette association n'était qu'une couverture pour des arnaqueurs cherchant à profiter de cette tragédie. Il a été relevé que l'association refuse de coopérer à l'enquête officielle et que ses membres préfèrent répandre des rumeurs honteuses et des théories du complot sur une possible implication du gouvernement ou les victimes des activités néfastes des associations. Peuvent contacter leur commissaire local afin d'être dirigés vers une nouvelle organisation approuvée par le gouvernement créée spécifiquement pour aider les familles à faire le deuil de la tragédie de Saint-Martin. Après la réunion, nous avons contacté les membres persécutés de l'association. Certains ont accepté de se retirer de la vie publique. Deux vont rejoindre les nouvelles organisations gouvernementales et nous rapporter ce qu'il s'y passe. Une réunion des représentants de l'organisation gouvernementale a été ordonnée pour célébrer le souvenir des victimes de l'attentat. Le sujet de la représentation, la préparation d'une cérémonie pour l'anniversaire de l'attaque de Saint-Martin. Comme approuvé durant la réunion, les plans d'une manifestation anti-gouvernementale durant la cérémonie en l'honneur des victimes a été abandonné. Le gouvernement nous surveille toujours de trop près. Nous patienterons. Une réunion de représentants de l'organisation gouvernementale visant à célébrer les mémoires des victimes de l'attentat a été ordonnée. Maintenez L. Appuyez pour avancer furtivement et faire moins de bruit lorsque vous marchez lentement. Pas sûr que je posais faire, moi, là. Ah! J'amène la boîte de l'autre côté. Pour pogner l'échelle.
Peut-être c'est là plutôt. Double porte. À qu'est-ce que tu joues dernièrement, toi? Farming Simulator, yes sir. J'ai mis à des jeux qui terminent, qui finissent pas. Moi. Content de vous voir parmi nous, capitaine. Il y a de nombreuses cibles derrière cette porte. Nous avons envoyé un drone de démolition dans le conduit d'aération. Tenez, il va vous falloir quelque chose de plus puissant. Pilote de drone et posez des explosifs en appuyant sur B. 5 charges restantes. Se refaire où aller. Je posais les mettre où ces charges-là? Tuer les 5 personnes, ok. Thank you.
Barnac! Il s'est noyé, espèce de cabochon. C'est sûr de comprendre. Réparer les circuits, régler les cadrans afin que les lignes forment des circuits fermés. Ça veut dire quoi ça? Il y a quoi des circuits fermés?
Comment c'est possible de toutes les connecter ensemble? Ok, je pense qu'on peut obliger de tout se connecter, mais je pense qu'il y a une certaine quantité qui doit se connecter. Tabarnak.
marche pas, ça. J'ai pas le choix de le mettre de même. Lui, il a pas le choix d'être là. Quelque chose que je vois pas, toi tu vois. Pas bon, tout. Ah, il faut que les plats... Ok, je faisais pas la bonne chose. Je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire.
et 5 jours de deuil national. Pour encourager les meilleurs d'entre nous, un système de bonus citoyen va bientôt être mis en place pour célébrer et récompenser les bonnes actions, le service communautaire, le recyclage, les dents de sang et bien d'autres actions seront récompensées avec des points de mérite spéciaux. Collectez en suffisamment et vous pourriez les échanger contre des privilèges uniques comme obtenir une promotion des remises sur les transports en commun et mettre des places de cinéma gratuites. Le système de bonus citoyen introduit l'année dernière a été un franc succès pour encourager les meilleurs d'entre nous à rester. Toutefois, et c'est bien logique, le système fonctionne dans les deux sens. En plus de gagner des points pour les bonnes actions, il est maintenant possible de perdre pour des actions néfastes, comme fumer dans les lieux publics, jeter des détritus au sol, et bien entendu, commettre des crimes et des actes antisociaux. Erreur de lecture de données, réunion pour analyser les problématiques, probabilité de satisfaction d'identité dans le SCC basé sur l'expérience de Barry. On s'en sort bien. Salut Vinny, comment ça va? Mémé Chol, salut! Non, c'est un jeu qui sort le 19 novembre sur Xbox. Il est déjà sur PC. Ok, faut que je saute en haut, je viens de comprendre. Niel Voyou, comment ça va? Ah, ça marche pas, je comprends pas quoi faire là. Ah, le rat du mur. Sérieux, il y a déjà sur PC, là, je vais aller voir tout de suite. Je sais pas comment il coûte cependant. Excellent. Non! C'est quoi ce saut de... Ah.
Vermine, tapis dans l'obscurité, vous propagez votre maladie, la mort vous attend. Oh, le gaz. Du gaz, c'est du putain de gaz. Tout le monde dort maintenant. Il n'y a aucune échappatoire. Ce monde sera purifié de votre espèce. Votre pestilence s'arrête ici. Summer to Primary School. Une école qui a eu un shooting. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon île voilou? Ouais, c'est pas un shooting, c'est une explosion. Une explosion a eu lieu à l'école Saint-Martin alors que nous attendons d'autres rapports. Les premiers témoins confirment qu'il y a eu de nombreuses victimes sur les lieux, notamment des enfants. C'est pas si pire, hein? 20$. C'est ce que j'ai toujours dit, Bob. Le terrorisme est le grand mal de notre époque. Je ne sais pas pour vous, mais cela ne me dérangerait pas d'avoir donné quelques libertés si cela permet de nos enfants de grandir dans un monde sûr. Chet a parfaitement raison. Si les autorités n'ont pas le pouvoir de riposter, comment vont-elles nous protéger? Sur les villes du monde. We want safety. Nous voulons la... Nous voulons être en sécurité. Croyez-moi sur parole, mesdames et messieurs. Nous allons pourchasser ces monstres. Il est temps de mettre nos différences de côté. Il est temps de construire un futur sûr et prospère pour nous tous. Ben, c'est une ville bilingue. Montréal est dans le Québec, là. Où est Harry? Il a appelé, il va être en retard. Il devrait faire un truc pour Mary et les enfants, tu sais bien. Ce bon vieux Harry, toujours le même celui-là. On est sur le point de se faire ennuyer par les grands patrons et il fait ses courses. Le voilà. Désolé pour le retard, les gars. Le ministre va vous recevoir à présent. Good luck, gentlemen. Bonne chance, messieurs. Ça arrive, Nivolo. Entrez, messieurs, essayez-vous. Nous ne tournerons pas autour du pot, si vous voulez bien. Nous devons anéantir toute action terroriste. Je vous ai fait venir car je souhaite que vous dirigez un détachement d'intervention spéciale qui aura pour unique but de traquer et d'éliminer les contestations et les mécontentements sous toutes leurs formes. Vous êtes les meilleurs des meilleurs, le joyau de notre nation, adorez les médias, notre communauté a confiance en vous et encore plus important, j'ai confiance en vos capacités. Je sais, par ailleurs, que je peux compter sur votre entière discrétion. Monsieur, que pensez-vous qu'il nous manque dans ce combat? Je vais vous le dire. De l'information. Ce n'est pas à cause d'un manque de données. Toutes les banques, tous les réseaux, tous les centres de surveillance et toute autre compagnie d'assurance de ce côté du Mississippi possèdent une véritable mine d'or d'informations. Mais toutes ces données doivent être rassemblées. Si nous voulons avoir un coup d'avance sur le terrorisme, nous devons avoir plus d'informations qu'eux. J'ai conscience qu'il y aura sûrement de la réticence à cette idée, mais les citoyens obéissant aux lois n'auront rien à craindre. Et d'ici quelques temps, des discours seront écrits sur le superbe travail que vous avez accompli. Je souhaite que vous supervisiez la création de la base de données policière la plus avancée du monde. Celle-ci nous permettra de prédire les crimes avant qu'ils ne soient commis. Les géants de la technologie et des plus grosses banques nous apporteront leur soutien et ils n'attendent que ça.
Ils sont même extatiques à l'idée de pouvoir comprendre et connaître leurs clients d'une toute autre manière. Chaque bribe est de JIT. Je dis bien chaque bribe, l'information a la valeur. Cela vous aide à protéger notre pays. Je veux être au courant dès qu'une mouche chie en Floride. Si quelqu'un prend le bus ou un taxi, nous devons savoir dans quelle direction ce qu'il compte faire et si c'est légal. Oui, oui, ils peuvent vivre au Québec. C'est comme 1 million de Québécois anglophones au Québec, je pense. Afin de rendre tout cela possible, nous allons supprimer les paiements liquides. Si l'historique des achats d'une personne indique que son régime alimentaire est mauvais pour sa santé, nous pouvons automatiquement la cataloguer dans une classe au risque et augmenter son assurance conséquence. Nous pourrions même créer une taxe sur la diabète. Si quelqu'un ne poste aucune photo sur les réseaux sociaux, nous devons découvrir qu'il se cache peut-être un pervers ou un terroriste ou encore un misanthrope ayant quelque chose à prouver. Les bons citoyens seront récompensés, les mauvais éliminés. Nous ne pourrons pas prendre le risque d'un autre Saint-Martin. Monsieur, nous sommes responsables de la mort de ces enfants. Cette stratégie est notre responsabilité. Mais ensemble, nous allons nous repentir. Pour nos péchés, nous devons consacrer nos vies et assurer un futur sûr et prospère à notre nation. What the hell just happened? C'est passé quoi là? Looks like we got a promotion. On dirait qu'on vient d'entrer Promus, les gars. How are we gonna pull this off? Comment on va s'en faire la surveillance de masse dans une chose, mais. This is our job, Chang. C'est notre boulot, Chang. Nous avons rejoint les forces de l'ordre pour protéger les gens. Avoir accès à toutes ces informations ne peut pas faire de mal. Mais où est la limite? C'est de la vie des gens dont on parle. Tu as une meilleure idée, Chang, au moins on aura toujours une longueur d'avance. Il était plus que temps, j'en ai marre que les criminels aient un coup d'avance sur nous. Pensez, plus aucun criminel ne sera libéré parce qu'il nous manque de preuves de son crime. You really don't have a problem ça with all this? Ça ne pose vraiment aucun problème? You're the minister. Tu as entendu le ministre, les honnêtes gens n'ont rien à craindre. But criminals, they les criminels, ils ont toujours quelque chose à cacher et nous serons là pour les prendre sur le fait. Quel jury va mettre en doute une telle preuve? J'imagine que je suis trouvé pour cette connerie, il est peut-être temps que je prenne ma retraite. Prends ta retraite, arrête tes conneries, ce badge de toute ta vie. Qu'est-ce que tu ferais, hein, Chang? Aller à la pêche, travailler dans la boutique de ton fils? Qui sait, pourquoi pas? Voilà un qui aurait mieux fait de rester chez lui. Attrapez le putain! Ok, on peut commencer. Tantôt, on peut pas commencer. Captain, vous êtes là? C'est bon, on est anglais, là, pourtant mes parents parlent pas du tout anglais. Dans combien de temps, Céline, ça va être fait?
Je vais acheter la salade de Dexilim. Tabarnak, c'est quoi ça? Québec, il y a quelques années, elle avait vraiment bien aimé. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle a fait là? Là? Capitaine, vous êtes là? Vous êtes encore en vie? Oui, je suis encore en un seul morceau. Alors, ça inquiétez pas vous. On les a eu, des putains d'animaux. On en a eu quelques-uns au moins et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Présentement, oui. Ça dépend que ça recherche. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Liberated, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!